The name Rotobec did not came out at the beginning. At first, the name was Rotation du Québec. But when you do your first sale in the USA, I am Mr. Salesman from Rotation du Québec. They get, well, what do you say? So we started Rotobec this way. Because what really differentiated Rotobec at the beginning was the continuous rotators. Je faisais un transport automatique, mais on réparait en même temps les machineries forestières, les charmantes rotations qui brisaient tout le temps. Parce que ça, ce qui arrive, une rotation normale, ça fait 3/4 de tour. Puis là, l'hiver, mais le gars, qui est dans le bois, n'importe quoi, il l'oubliait, les consoles de rotation. Mais ça fait une unité hydraulique, là, qui, le grappin était là, puis il virait, puis il fermait, puis il ouvrait en même temps. Là. Que ça, on est allé aux États-Unis pour vendre notre patente. Une compagnie qui fait des chargeurs. Ils ont dit, les gars de bois, ils n'ont pas besoin de ça, eux autres. Mais les gars de bois, eux autres, ils voyaient ça ici, là. En étant allé à Ottawa, ils ont dit que ça en a allumé plusieurs. Ils ont aimé ça. Ça a commencé. Rotobec est reconnu pour l'invention de la rotation 360 degrés. Marcel a inventé un système de collecteur hydraulique qui permet la circulation de l'huile du mât de la machine au grappin en passant par le centre de la rotation. Tout cela pour permettre une rotation continue du grappin, tout en diminuant la fréquence des bris reliés au boyau hydraulique. C'est cette innovation qui a mis Rotobec sur la carte. Parce que ça n'existait pas des rotations de 360 degrés. Mais on a commencé à installer des rotations sur des grappins de d'autres compagnies. Ceux-là qui avaient de la machinerie, bien, demandaient, hey, êtes-vous capable d'installer une rotation comme ça sur mon grappin? Fait qu'on a fait beaucoup de modifications. On a commencé à faire nos engrenages les autres mêmes. Ça prenait des engrenages là-dedans. On prenait des gears de transmission de pick-up. On les mettait là-dedans, on les modifiait. J'aime ça, les défis. J'aime ça voir comment c'est fait, puis essayer d'améliorer les choses. J'ai fait le même. Quand il y avait un problème, Marcel le réglait. Peu importe le problème, il y a toujours une solution. Puis on se casse la tête. On travaille fort, on est patient. Il y a une patience. Il savait qu'on fouillait. Bon, ben, il nous laissait aller, il nous laissait fouiller, il nous laissait approfondir au maximum. Quand ça faisait pas, on retournait le voir, et il nous repoussait encore à aller voir d'autres choses, à aller voir plus loin, puis tout le temps plus loin, jusqu'à temps que ça fonctionne. Ça, c'est le temps du garage, une modification. Donc, le temps de rotation continue là-dessus. C'est là que ça a commencé à Rotobec. On est gars de mécanique. J'étais à l'usine, j'étais président, puis j'étais en habit. Puis je me suis sali les mains souvent. Puis j'ai sali les chemises souvent aussi, hein? Oui. Les habits, les manches des habits aussi. Je voulais, on voulait que ça marche, que ça fonctionne. À partir des rotations continues, on a commencé à développer le domaine des attachements, des pinces, on arrivait avec certains modèles de grappins. Après ça, le principe de la rotation continue a été répliqué dans des appareils un peu plus gros, des chargeuses de toutes sortes de dimensions, des plus petites au début, des plus grosses par la suite. La rotation continue était comme le point de départ qui a amené à développer différents produits chez Rotobec. C'est-à-dire, le principe de la rotation continue, on l'a dans tous nos produits. Chez Rotobec, nous croyons que la qualité du travail parle d'elle-même. C'est pour cette raison que tout est fait ici. Du plan initial jusqu'au dernier boulon vissé, ce qui permet d'assurer une qualité incomparable. Le département d'usinage est d'ailleurs un élément clé dans la qualité des produits Rotobec. En effet, presque toutes les composantes de nos produits sont fabriquées directement dans nos usines pour être assemblées plus tard dans le processus de fabrication. C'est pourquoi le parc de machines à Sainte-Justine seulement s'élève à 24 tours et fraiseuses à commande numérique, ainsi que deux machines à usinage conventionnel.
On y dénombre notamment 2 tours hybrides, 10 tours CNC, 12 fraiseuses CNC et 2 machines à usinage de trous profonds CNC, mieux connues sous le nom de Gun Drill. À chaque semaine, c'est plus de 4000 pièces qui sont produites. Tout cela est possible grâce à notre équipe composée de 50 machinistes et opérateurs d'équipements de production. La production d'une pièce usinée commence par l'acheminement de la matière première qui est introduite dans la machine-outil. Ensuite, le machiniste sélectionne les bons outils et les programmes et fait les ajustements nécessaires. Les outils enlèvent du matériel jusqu'à obtenir les dimensions et la forme désirées. Le machiniste fait ensuite les vérifications à l'aide d'outils de mesure divers pour s'assurer de la conformité de la pièce. So we have to be resourceful. We are 90 minutes from Quebec City, 4 hours from Montreal away. So, I mean, we have to be able to do everything inside. As far as machining goes, Rotovex got several great advantages over our competition. The fact that we do all our machining in-house here, the fact that the park of machine that we have that is so wide, and the know-how, how we run those machines, the expertise. We really manufacture everything from scratch to finish. We don't buy lots of components. We buy steel, we buy tubes, we weld, we machine. The rotators is made here, our cylinders is made here, and this is one of the things that makes our strength.